Moi, pour le moment, je savoure tout ce qui se passe avec le film. Je savoure l'engouement des gens, l'accueil des gens par rapport au film. Je vais beaucoup voyager avec le film. C'est là où je vais aller. Donc, je vais voyager dans plein de festivals. Et après, on verra ce que nous réserve le lendemain. Je vais m'inspirer de ce qui m'entoure, des événements qui vont arriver, vu que c'est toujours une surprise aussi ce qui se passe ici. Donc, je vais m'inspirer aussi de ce qui se passe autour de moi. Et on verra où la vie nous mène. Moi, je suis très optimiste par rapport à où va le cinéma libanais. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont beaucoup de choses à dire et je pense que ce qu'on a vécu et notre vécu nous permet d'avoir des choses à dire et je pense qu'on est sur le bon chemin. Évidemment, on est encore loin d'avoir une vraie industrie du cinéma, mais moi, je suis très optimiste et je pense qu'un jour, on va réussir à l'avoir cette industrie. Ça, c'est la grande question. Maintenant, où va le Liban? On ne sait pas. C'est ça le plus gros problème, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer demain. Et on est toujours, on a l'impression qu'on tient sur un fil, on est sur un mode stand-by tout le temps. On n'arrive jamais à réaliser nos projets, à ouvrir la boutique au rêve d'ouvrir, à repeindre la façade de l'immeuble, à construire la maison de nos rêves, à boucher le trou dans la rue, parce que on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Donc je ne suis pas du tout sûre d'avoir une réponse sur où va le Liban, évidemment. Moi, je ne sais pas personnellement.